Il faut savoir se contenter de peu en prison. Ici, on doit être fort et con, énergique et volontaire. Sinon, le temps passe moins vite. Et le temps doit être envisagé au jour le jour, une journée après l'autre. Ainsi, le soir, on peut alors se dire qu'une journée de plus a passé et déguster la maigre satisfaction d'avoir rempli ses objectifs quotidiens. C'est tout. Il ne faut pas voir plus loin, surtout si, comme moi, on est dans le brouillard quant à sa date de sortie. Alors, c'est un extrait du livre d'Hervé Ryssen, Le coup de la loi. On va en parler avec lui aujourd'hui. Restez avec nous, juste après le générique, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Hervé Ryssen pour la première fois dans cette émission. Salut Hervé. Salut Daniel. Ça va bien? Bah ouais, et toi? Ça va, ça fait une paye. Ça fait une sacrée paye. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit. Oh là là, l'émission, c'est une éternité. Voilà. Alors bon, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Alors, en particulier, cette émission va reposer sur le dernier livre en date d'Hervé Ryssen, qui est Le coup de la loi, dans lequel il revient sur son... l'incarcération, voilà, qui est, il n'y a pas si longtemps, il y a un an et demi, en fait, sorti de prison il y a un an et demi, avril 2021, c'est ça? Avril 2021, ouais. Bah, première question, je dirais, tout le public a envie de te poser cette question, comment va ta vie en ce moment? Comment est le moral? Oh bien, ça va, c'est reparti comme avant, je dirais, mm-hmm. Sur le plan émotionnel, le caractère, la personnalité, c'est comme avant, j'ai eu quand même il m'a fallu 6 mois, on va dire, hein, pour me départir de cette angoisse, de cette peur que j'avais de retourner en prison. Voilà, ouais. Je suis resté 7 mois, il m'a fallu 6 mois pour m'en remettre complètement. Mais là, ça va. Bon, par contre, j'ai compris ce que je ne devais plus dire ou la manière dont je ne devais plus dire certaines choses. Ça, ouais. c'est sûr que ça fait une différence. Il y a eu un avant et un après. Ouais. Sur d'autres plans aussi, il y a un avant et un après, pas seulement sur le plan politique ou idéologique. Moi, je l'ai dit de toute manière dans le livre, hein, puis ça a été noté dans Rivarol cette semaine, puisque tu me demandais si j'avais encore des contacts. Ouais. Alors, il y a un certain Judas le Prince, c'est pas son vrai nom évidemment, hein, qui a fait une petite recension du livre dans Rivarol. D'accord. Mais oui, effectivement, il y a un avant et un après. Sur le plan des sujets que j'abordais auparavant, bah, c'est terminé, d'autant plus que j'ai déjà tout dit. Tout ce que j'ai pu lire par la suite me ramenait toujours à la même chose, donc je vais pas tourner en boucle, hein, pendant 30 ans. Hein. Oui. Sur le plan, comment dire, familial, émotionnel, enfin, si tu veux, il y a un avant et un après. Pour les gens qui ne m'ont pas soutenu quand j'étais en prison. Et là, je ne parle pas des personnalités de la mouvance nationale, je parle des gens plutôt qui m'étaient proches auparavant. Des proches, ouais. Voilà. Tout le monde m'a soutenu, sauf, disons, dans la famille, pas du côté de ma belle famille, mais du côté de ma propre famille. Et là, effectivement, ça, pour moi, de mon point de vue, ça crée une césure. Ouais. Ah, c'est douloureux. Oui, ouais, c'est douloureux. C'est ce qu'il y a de plus douloureux. Donc écoute, mais voilà, j'en prends acte, et puis c'est comme ça, c'est ouais. La vie. Mais politiquement, puisque c'est ce qui concerne nos auditeurs, ouais. la vie continue pour moi. Ouais. Alors les camarades et amis, on va dire, du camp national se demandent, est-ce qu'il y a encore des risques pour toi d'aller en prison en vertu des cris passés, ou est-ce qu'on est... Normalement, non. Ouais. Normalement, non. J'ai 3 peines de prison ferme à effectuer sous forme de bracelet électronique. 8 mois, 6 mois, 4 mois, je ne vais pas revenir sur tous les dossiers. Donc ça fait 1 an et demi quand même, mais sous forme de bracelet électronique. Okay. Alors, je n'ai toujours pas le bracelet électronique parce que une personne, mais ça je l'avais expliqué sur Telegram, toi t'es sur Telegram, je suis sur Telegram, aujourd'hui c'est l'application qui est la mieux pour nous. Hein. Ouais, ouais, carrément. Et je n'ai pas de peine de bracelet électronique encore, ça va arriver, c'est sûr, mais j'ai fait une demande de confusion des peines. Alors je l'ai faite moi-même sur une feuille A4. Normalement c'est un avocat qui s'occupe de tout ça, un avocat qui te prend, 8 000 euros pour t'écrire une lettre. Alors je l'ai faite tout seul et figure-toi que ça marche, je demande une confusion des peines, j'ai eu plusieurs peines en même temps. D'accord. Le sujet, il y a un procès qui n'a pas été acté de manière définitive, donc il y a moyen de regrouper toutes ces peines-là sous la plus importante. Donc c'est ça qui fait que ça prend un petit peu de temps, et comme j'ai un dernier procès pour provocation à la haine raciale au mois de janvier, il s'agit du trafiquant de cocaïne guadeloupéen là, qui m'accusait de l'avoir insulté dans une cour de promenade, on attend, si tu veux, cette peine pour regrouper toutes ces peines sous la peine la plus forte. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore de bracelet électronique, mais ça va venir, et ça fera donc, si ça vient au mois d'avril prochain, bah, ça fera 2 ans. 2 ans que je suis sorti de prison et je me tapais un bracelet électronique 2 ans plus tard. Ouais, c'est vraiment chiant. Alors, bracelet électronique, c'est en fait, tu es libre, mais on contrôle en fait tes déplacements. Tout voilà, tu as 4 heures par jour où tu peux sortir de chez toi.
Ah d'accord. Voilà, tu choisis ou le matin ou l'après-midi. Ah oui, donc, non, c'est quand même tu peux quand même faire tes courses. Ouais. Ouais, mais tu restes chez toi. Donc, ah, ouais, ouais. Donc par exemple, tu peux pas aller en vacances hors du pays, ce genre de non. truc. Non. Ouais. Ouais. Ouais, c'est non, c'est quand même une c'est quand même un problème. C'est pas agréable. Oui, mais quand tu as connu la prison, franchement, tu préfères le bracelet électronique, ouais. Ça va, je pense que je pourrais m'en sortir, ouais. Ouais, ouais. La prison, vraiment, tu as qu'une envie, c'est d'en sortir quoi. Tu es ouais. prêt à payer les parties civiles, tu es prêt à tout faire quoi pour sortir, trouver un travail, même un boulot de chien, tu es prêt à tout pour sortir de la tôle quoi, ça c'est sûr. Oui, ça c'est vraiment un truc qu'on retient du bouquin finalement, c'est je me souviens quand on en parlait avant que tu es en prison 2015-2016, on disait bah, peut-être qu'un jour tu vas aller en tôle et tout et puis en fait, tu dis dans le livre, tu as l'honnêteté de dire « je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile ». Alors, il y a plein de choses qui sont ouais. horribles en prison. Bah, l'éloignement ouais. des proches, ça, on peut tout à fait le concevoir. Ouais. Mais également le bruit. Et ça m'a ah, beaucoup… Ouais. J'ai beaucoup d'empathie pour bah, toi. Oui, je sais que tu as des acouphènes aussi. J'ai des acouphènes et je déteste le bruit. Ouais. Ça, le bruit empêche de se concentrer. Ah, ouais, les gens vrai. Intelligents qui aiment lire détestent le bruit. Ouais. Et toi, c'est vraiment un truc qui t'a… Ouais. J'allais dire, c'est presque drôle. Quand on ne l'a pas vécu, c'est drôle. En fait, quand ça devient un élément quasiment romanesque, on arrive à rire de ça. C'est que tu changes de cellule constamment pour échapper à un connard qui fait du bruit. Voilà. Mais j'étais le seul comme ça. J'étais le seul à être oui. aussi indisposé par le bruit. La plupart des mecs, ils s'en foutent complètement. S'en foutent, ouais. Parce qu'ils vivent aussi un petit peu leur manière de vivre. Ouais. Le bruit, la musique, ils aiment ça, ils bavardent entre eux. Donc ça leur pose pas de problème. Et moi, ça a été vraiment ma pire des souffrances. Hein. Ouais, parce que tu peux pas avoir une vie de l'esprit. J'étais le seul à me plaindre du bruit. J'ai personne s'en plaignait. Faut dire qu'il y avait probablement aussi une certaine, c'est ce que je dis dans le bouquin, une certaine quantité de certaines personnes qui étaient sous anxiolytiques. Ah oui, alors parce que quand on dit en prison, j'ai tenu le choc en prison, j'ai tenu le coup, ça veut dire quoi, pas tenir le coup? Ça veut dire ou bien tu te suicides, ouais. ou bien tu prends des anxiolytiques. Moi, j'ai pas pris d'anxiolytiques, donc j'ai tenu le coup. Ouais, ça, c'est, j'ai trouvé que c'était une vraie révélation. Et tu l'as d'ailleurs dans le film. Le film sur Marseille, là, sur les banlieues marseillaises, Bac Nord. Bac Nord, tu l'as dans Bac Nord, le plus costaud des flics, là, le plus teigneux, là, mm-hmm. qui est joué par Lelouch. Là, Gilles Lelouch. Ouais. Il joue bien, tous les acteurs jouent non, bien. Non, mais hein. il joue très bien, il n'y a rien à dire. Mais Gilles Lelouch, dès qu'il arrive en tôle, tout de suite, il prend les anxiolytiques. Il redemande toujours à ce qu'on augmente sa dose parce qu'il n'en peut plus. Oui, ouais, c'est ça. Mais effectivement, oui, ça, c'est symptomatique. Les mecs qui ont des longues peines, ils tiennent comme ça, en fait. Hein, Ça dépend qui, les petites racailles de banlieue, je pense qu'ils sont entre eux, ils fument des joints dans la cour de promenade, eux ils sont bien, ouais. ils peuvent se sentir bien en prison, puisque ouais. c'est un peu leur univers, hein. La plupart sont des récidivistes, hein. Tous les mecs que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé dans la bétaillère, c'est-à-dire le fourgon cellulaire, c'est le seul moment où je pouvais parler à des gens des autres bâtiments ou des petites racailles, quoi. Ils étaient tous récidivistes. Hein. Ouais. Et toi, t'as refusé d'en prendre, tu voulais pas être stone. Ah non, mais moi, j'en ai pris une fois. Effectivement, tu te sens bien, un peu comme quand t'as fumé une taf d'un joint, tu vois. Mmh. Mais par contre, moi, je sais que ça a une très longue durée sur mon organisme, quoi. Ouais. Même le lendemain matin, je suis encore un peu groggy, quoi. Moi, ce que je voulais, c'était lire, écrire, étudier, ouais. profiter de la peine pour faire... Alors, le livre commence par ton arrivée en prison. Si je puis dire, parce que tu as une garde à vue, tu es convoqué, ouais. tu ne sais pas que tu vas être en garde à vue, qu'ensuite tu vas pas pouvoir sortir. Alors ça, on comprend pas trop comment c'est possible quand on connaît pas les rouages judiciaires. C'est-à-dire que tu es convoqué à la police, mais on te dit pas après vous allez pas sortir. Mais t'as quand même une petite intuition avant, genre peut-être que ça va arriver. Alors comment c'est possible ça? Non mais en fait depuis 2019. Je m'attends à aller en prison. Oui. En fait, je m'attends même à aller en prison au procès de mai 2018. Procès de mai 2018, je publie mon avant-dernier livre. Je le mets en librairie le matin même parce que je crains d'aller en prison immédiatement après. Et depuis tout ce temps-là, je me suis étonné dans plusieurs vidéos de ne toujours pas être convoqué par le système pénitentiaire. Ouais. Donc là, je me dis, bah, une fois de plus, normalement, je vais m'en tirer. Honnêtement, je ne pensais pas y aller. Je ne pensais même pas qu'ils oseraient me foutre en prison, quoi, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit. Mmh. Et puis, donc, j'avais pas d'appréhension quand je suis parti, mais effectivement, un petit doute. Surtout quand ensuite, je passe dans un deuxième entretien avec un autre officier de police judiciaire, mais cette fois, derrière une porte blindée. Donc là, ouais. je me dis, bon, ça commence, quoi. Et puis ensuite, une garde à vue habituelle que beaucoup de militants connaissent, quoi. Mmh. Ce fait qu'ils te prennent un peu par surprise, c'est quoi? C'est qu'ils partent du principe que tu ne viendrais pas te rendre à la prison s'ils te prévenaient, c'est ça? Non, je pense pas, mais parce que je me suis toujours rendu aux convocations de la police, parce que vraiment j'invite les militants à toujours se rendre aux convocations de la gendarmerie ou de la police, hein, parce que si t'y vas pas, ils viennent te chercher, quoi. Ouais, donc ouais. Ça peut être pire. Mais non, mais j'avais déjà des peines de prison, moi, en fait. Hein. Mm-hmm. Donc c'est ce que je te disais. Le procureur... Quand il m'a dit, quand je suis passé devant le procureur le lendemain matin, ça a été très rapide. Hein. Ouais. Il m'a dit, bon, écoutez, ça suffit.
je vous envoie à Fleury. Ouais, donc, il a vu mon parcours, si tu veux, mon parcours judiciaire. Maintenant, ça suffit, vous arrêtez de vous foutre de notre gueule, quoi. Ouais, ouais. Le fait est, c'est que j'avais jamais payé mes amendes. Alors, j'ai commencé à payer mes amendes depuis que je suis sorti de prison, hein, je te le répète. Mmh. Quand tu sors de prison, tu fais de sorte de ne pas y retourner. Mmh, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Ensuite, si on avait été 300 nationalistes dans la même prison, à jouer aux cartes, à écrire des bouquins, à regarder la télé ensemble et à se taper sur l'épaule, ça serait différent. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Ouais. J'ai pas du tout envie d'y retourner. Donc, je fais en sorte, depuis que je suis sorti, de payer les parties civiles, tout ce que je dois depuis 10 ans. Parce que moi, mon premier procès pour provocation haine raciale, c'est 2009, je crois. Mm-hmm. Hein, mon première petite convocation, petit papier bleu dans ta boîte aux lettres, c'est 2009. Premier procès, 2010. Alors, ça commence par des amendes qui sont de plus en plus fortes, des peines de prison avec sursis ensuite. Et ensuite, ils voient que tu continues, tu persévères. Mmh. C'est ça ton truc. On va te mettre de la prison ferme. Ouais, ouais. Il a toujours pas compris. Bon, allez, cette fois, et c'est ce que dit le procureur, bon, ça suffit, je vous envoie à Fleury. Voilà. Ouais, ouais. Mais honnêtement, je pensais pas, parce que je te répète, avec les bouquins que j'ai écrits, je dis, il faut bien que je me vante un petit peu. Mais ils tiennent quand même bien la route. Ouais, tu t'es dit, il y a des sources, donc ils ne peuvent pas me baiser. Bah, de fait est, c'est que ils ont quand même fait des procès. Ils ont essayé d'interdire mon livre sur la mafia et mon livre sur la finance et les escrocs. Ils n'y sont pas parvenus. C'était en référé. Ils n'y sont pas parvenus. Ils ont interdit quand même... Enfin, ils ne l'ont pas interdit, mais ils m'ont fait condamner pour le petit livre rouge. J'ai fait 5 mois de prison pour ce petit livre rouge. Donc, il y a 5 ou 6 passages que je dois retirer si je veux le rééditer. Mais mes livres sont tellement documentés, tellement clairs, limpides, qu'ils n'ont pas pu. Hein, ils n'ont pas voulu intenter des procès contre cela. Quoi. Donc je me suis dit, un peu peut-être naïvement, hein, sans doute, que j'étais trop gros, too big to fail, comme on dit dans le système bancaire, too big to fail. Quoi, ouais, ouais. Trop gros pour me foutre en prison. Et puis, bon, en fait, il détermine ton degré de dangerosité par rapport à ce que tu produis, par rapport à ton auditorat, à ton auditoire. Si quelqu'un critique le système d'une manière virulente, mais s'adresse à un public de 200 personnes, ça ne les dérange pas. Ouais. Si tu commences à assouplir un petit peu ton discours ou à faire de sorte d'élargir ton auditoire à des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, ouais, ça peut les déranger. Maintenant, si t'as des dizaines de milliers de personnes qui t'écoutent, mais que tu ne franchis pas certaines limites, considèrent qu'ils peuvent te laisser vivre, si je puis dire. Ouais, voilà, ouais. Ça, on le voit très clairement auprès de personnalités que tu connais, quoi. Mmh, ouais, Nadie Kram dit même, voilà, un tel, on va pas lui intenter un procès, parce que il n'est pas dangereux pour nous, quoi. Je comprends, ouais. C'est un dosage, voilà. En fait. Moi, ce qui est sûr, c'est que sortant de prison pour une première fois, donc voilà, première fois, j'ai commencé à payer les parties civiles. Donc, voilà. Et ce que font d'ailleurs toutes les autres personnalités qui ont été condamnées, ils ont toujours payé leurs parties civiles. Et donc, ils subissent, après un procès, des peines pécuniaires, parfois même des peines de prison, s'ils persévèrent. C'est le cas pour des gens que tu connais. Mm-hmm. Mais quand tu payes les parties civiles, évidemment, ça t'évite peut-être pendant un certain laps de temps, d'aller en taule. Ouais. C'est vrai que la question du sens se pose. Des fois, on se dit, la liberté d'expression se paie, parce que ces mecs-là, ils disent ce qu'ils veulent sur les juifs ou autres. Et puis finalement, ils disent, regardez, moi, je suis courageux, parce que je continue de le dire. Mais finalement, c'est les dons des gens qui payent les achats de livres, qui payent leur conseil, finalement. J'ai été un peu moqueur là-dessus, mais je ne veux pas citer de nom. Mais par exemple, je reçois un petit papier bleu dans ma boîte aux lettres. Ouais. Tout de suite, je l'étale sur Telegram, je fais une vidéo, j'ai reçu un papier bleu, regardez, je suis convoqué. Alors les gens, ils donnent de l'argent, le pauvre, il est convoqué. Bah oui. Ensuite, le jour du procès, je sais pas, 17 septembre, oh mon Dieu, je suis convoqué le 17 septembre, alors, les gens, ils donnent, putain, il est convoqué. Ouais. Ensuite, il y a le procureur qui réclame un an de prison ferme. Regardez, un an de prison ferme. Alors, les gens, ils donnent de l'argent, le pauvre, il a un an de prison ferme. Ouais. Finalement, le jugement, c'est 2000 euros d'amende et 3 mois de prison avec sursis. Oh, le pauvre, 2000 euros. Aidez-moi, j'ai 2000 euros d'amende. Les gens, ils redonnent 2000 euros d'amende. Ensuite, il fait appel. Ah putain. Voilà, donc ça n'en finit pas. Si j'avais procédé de cette manière, effectivement, j'aurais pu me débrouiller. Ouais, mais ouais. Moi, j'ai fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que pendant 7 ou 8 ans, je crois, j'ai jamais parlé de mes procès. Jamais. Oui, j'en parlais vrai, pas je du tout. Et les gens se sont peut-être dit, si Risson, il n'est pas condamné, il n'est pas poursuivi, on peut y aller. Ça a peut-être déclenché quelque chose, quoi. Mm-hmm. Mais tout ça, pour moi, c'est du passé maintenant. Je pense vraiment. C'est sûr. Je ne pense plus à tout ça. Là. Effectivement, dans le bouquin, j'ai voulu en finir, en rappeler certaines choses. Ouais. Ça peut aussi donner des conseils à des militants
qui craignent peut-être de subir la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens qui arrivent devant un tribunal pour avoir balancé une phrase ou un propos sur YouTube ou sur n'importe quelle application, il y en a beaucoup, hein, j'ai l'impression, qui ont eu des procès. On n'en parle pas. Et souvent, quand je suis passé devant un tribunal, il y avait des jeunes militants pour une autre affaire qui passaient avant moi ou après moi et qui étaient probablement condamnés à 1000 euros d'amende pour avoir tenu un propos sur telle ou telle communauté. Voilà. Alors ensuite, ils se couchent, on n'entend plus parler d'eux. C'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Ouais, premier procès, je me couche et puis on n'entend plus parler d'eux. Bah, moi, j'ai vécu cette expérience et je crois que j'étais condamné à 2000 euros d'amende sans peine de prison. Et j'ai tout de suite senti vraiment une hostilité, une froideur. J'ai tout de suite compris que j'avais affaire à un mur. C'est-à-dire que je n'avais pas pensé une stratégie avant. Et quand j'ai eu affaire au magistrat, je me suis dit, ils veulent me détruire. C'est-à-dire que, j'ai tout de suite dit, non, mais je vais faire gaffe à ce que je vais dire. Mais en fait, il y a des textes de loi qui font qu'ils appliquent la loi. Bah oui, les magistrats sont quand même souvent hostiles, il faut le dire. Hein. Moi, si j'avais... Le président de la cour d'appel aurait pu me garder en prison un an de plus, oui. Peut-être même deux ou trois ans de plus. Voilà. Donc, il y a aussi des magistrats qui sont intègres, qui sont honnêtes, qui appliquent strictement la loi et qui font de sorte que, voilà, s'ils comprennent que toi-même, t'as saisi un petit peu la limite qu'on t'a signée, bon, bah, ils te laissent sortir de prison. Bon, ensuite, c'est selon leur propre jugement, quoi. Oui, c'est. Je dirais que, bon, évidemment, maintenant, toi, tu vas aller de l'avant, tu vas plus évoquer ce sujet, on en parlera un peu en fin d'émission, quel va être l'avenir de ta création. Mais je trouve que c'est un bouquin important pour les gens qui se lancent dans le militantisme. Il doit voir ce qu'il peut y avoir au bout du chemin. Et c'est vrai que parfois, quand on est nation, on a une vision un peu romantique, je sais pas si c'est le bon mot, mais du passage en prison. On se dit, ben, je vais aller au bout de l'intégrité, je dis ce que je pense, tant pis si je fais de la tôle. Il faut bien vous mettre en tête que la prison, vous savez, c'est pas. On peut regarder un film comme Les Affranchis. Tous les mafieux sont dans la même cellule, ils se font à bouffer, tu sais, entre potes. Tu connais bien ça, tu vois. Ils font la pasta et tout. Ouais. Bon, quand t'es un nationaliste blanc entouré de quoi, comment on pourrait dire, 90% d'arabes et de noirs, la prison, c'est pas. C'est hostile. Ouais, c'est hostile. Même moi, j'étais à l'isolement, donc j'ai pas été. Enfin, j'étais entouré d'arabes et de noirs, mais. Il n'y avait pas de danger physique. Il n'y avait pas de danger physique. Mais bon, tu sens leur présence partout, quoi. Quand tu dis 90%, à Fleury-Mérogis, c'est plutôt du 98%. Ouais. Je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Il n'y a pas de blanc à Fleury. Les quelques blancs, tu vois. Alors moi, j'ai regardé trois cours de promenade en contrebas. Dans une cour de promenade, t'as 80 mecs à peu près à chaque fois. Ouais. T'as peut-être un blanc ou deux. Si, des fois, il y avait deux blancs qui faisaient du footing ensemble. À côté, t'as tous les noirs ou les arabes qui fument des joints, qui font des pompes, etc. Je sais pas, c'était peut-être deux Ukrainiens ou deux Serbes ou deux Gitans. Ouais, parce que parfois, c'est même pas des Français. Voilà. Les non, mais bien sûr, c'est probablement pas des Français. Ouais, ouais. Mais c'est ce que je dis dans le bouquin. Par contre, côté stade, moi, j'ai toujours pris des cellules côté stade. Enfin, pris, c'est là où on me foutait. Ouais. Effectivement, quand t'as... Alors, confinement oblige, c'était pas deux équipes de 12 qui jouaient au football, c'était deux équipes de 6. Et à chaque fois, t'avais à peu près 10% de blancs. Donc, tu vois, il y a une proportion de blancs qui est plus importante là où il n'y a pas de risque. Mais dans une cour de promenade, le blanc, prend des risques, visiblement. Ouais, ouais. Donc, allez, je dirais qu'à Fleury, allez, 95% de noirs et d'arabes. Ouais. Plus de noirs, beaucoup plus de noirs. Ah oui. Mais tu vois, quand j'entends ensuite les statistiques qui ont été balancées cette semaine sur le nombre d'étrangers dans les prisons françaises, ça ne correspond pas à ce que j'ai vu à Fleury. C'est beaucoup plus fort à Fleury. D'accord. Ensuite, dans les prisons de province, il y a peut-être davantage de Français. Donc, voilà. Mais en banlieue parisienne, en tout cas, je pense qu'à Fresnes ou à Meaux, ça doit être à peu près équivalent. Ouais, ouais, D'ailleurs, à Fleury, dans une autre unité, il y a Salah Abdeslam aussi. Il était en face, il était au couloir, même étage, même bâtiment. Ouais. Mais le couloir d'isolement total. C'est-à-dire... tu vois que la gueule des gardiens. Tu vois pas, tu peux pas croiser un autre détenu quand tu vas à l'infirmerie, par exemple. Isolement total. Ouais. Je crois pas que tu as abordé cet aspect-là dans le bouquin, qui est plutôt psychologique. Est-ce qu'il n'y a pas un côté vraiment insupportable à être traité et vu comme un criminel ? Il y a quelque chose que... Est-ce que l'orgueil n'est pas blessé Non, les gardiens, honnêtement, font leur boulot correctement. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'excès de zèle. En tout cas, je n'ai pas ressenti
J'ai pas ressenti une animosité particulière de la part des gardiens, sauf effectivement dans l'affaire qui m'oppose à ce trafiquant de cocaïne guadeloupéen. Il se trouve que le gardien qui a corroboré son propos est probablement guadeloupéen aussi, c'est ce que je dis, ils sont probablement du même village. Ouais. Donc il y a une, effectivement, il y a des affinités entre certains détenus et certains gardiens qui font que le blanc, effectivement, peut en subir les conséquences. Ouais. Mais moi, c'est un gitan, hein, dès le premier jour, qui m'avait dit « méfie-toi des surveillants en noir, ils sont racistes ». Méfie-toi des Noirs, ils sont racistes. Et moi, pendant plusieurs mois, comme je me tenais correctement, je suis toujours poli, courtois, ouais. J'ai pas subi ce racisme. Mais finalement, je l'ai subi, au final. Oui. Avec un procès à la clé, quoi. Donc, alors, je sais pas quelle sera la condamnation. Le mec, il m'accuse de l'avoir traité de tous les noms, de toutes les injures racistes. C'est déclaratif, comment il peut prouver ça, vraiment? Bah, il suffit d'avoir un gardien qui corrobore. Donc, et moi, je suis allé au mitard ensuite pour dire, regardez, ce gardien, il dit des saloperies sur moi, ce sont des mensonges. Et le responsable de l'unité m'a envoyé au mitard pour me faire comprendre que ces gardiens n'étaient pas des gens malhonnêtes. Tu dis que mon gardien est en train de mentir, c'est ça que tu dis? Allez, hop, au mitard. Oh là là, c'était... Donc, mais ceci dit, quand je suis allé au mitard, tu sais, je m'en souviens très bien, parce que quand même, là, j'étais un peu abasourdi. Ouais. On me met dans une cellule voisine, juste à côté de là où il y a eu lieu ce procès. C'est un procès truqué, quoi. Et est-ce que j'ai eu droit à une avocate quand même, hein, 5 minutes avant, hein, mm-hmm. Une africaine qui venait juste de débarquer. C'était une parodie de procès, quoi. C'est ridicule, quoi. Mais je me souviens que je me disais, tiens, ça va me faire une nouvelle expérience. Mm-hmm. Voilà, finalement, j'ai envie de savoir ce que c'est. C'est qu'il y a la fameuse chanson Le Mitard de Trust. Ouais. Tu sais, sur Mesrine, là. Ouais, ouais. Je voulais savoir ce que c'était. Voilà, on lui passe ses plats sous la grille. Ah, ça, tu l'as vécu, quoi. Ça, au moins, je l'ai vécu, voilà. Non, mais il y avait un peu de curiosité de ma part. Hein. Ouais. Effectivement, est-ce que je voulais aller en prison? J'ai peut-être provoqué le destin. Ouais, je voulais aller jusqu'au bout. Mais je suis allé jusqu'au bout. Ouais, ouais, t'es allé au bout de la démarche. Je suis allé jusqu'au bout, voilà. Et le fait est, c'est que je vois pas de... On parle de révolution, de renverser le système. Enfin, certains parmi nous parlent de cela. Mais quand tu vois le peu de nationalistes français qui sont en prison, tu te dis qu'on est loin de renverser le système. S'il y avait des milliers de nationalistes français en prison, on se dirait, voilà, on pousse, on n'hésite pas à sacrifier nos vies. Beaucoup de gens capables de sacrifier. Mais alors qu'en fait, c'est pas le cas. Il y a quand même quelques, je dirais, une quinzaine de nationalistes qui sont en prison aujourd'hui en France. Hein. Ouais, ouais. Enfin, ce sont des identitaires. Ce sont des identitaires. Mmh. Donc, ouais, je sais que t'en connaissais bah, le mec de Toulon, là, je crois. Ouais, ouais, Logan. Il s'est pris 9 ans de prison. Alors, ses complices, si je puis dire, sont en prison aussi ou pas? Certains sont déjà sortis, la plupart sont déjà sortis, mais lui a été vu comme le cerveau. Donc, Il y a eu l'affaire Esteban Morillo, mais ça, c'est autre chose, puisque là, c'est des voies de fait. Ouais. Mais il y a d'autres, d'après Darmanin, il y a une dizaine d'autres affaires comme ça. Là, on en a eu deux. Il y a une deuxième affaire il y a quelques mois où le gars s'est pris 9 ans de prison aussi, mais il était tout seul. Et ce mec-là, il était dans mon couloir d'isolement. Ah oui? Ah, Fleury. Ouais, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais croisé, je ne l'ai jamais entendu. Et pourtant, je faisais du bruit, moi. Je peux te dire que c'est moi qui faisais le plus de bruit. Donc, mais pourquoi ils sont mis à l'isolement? Pour leur sécurité? Pour leur sécurité, bah oui, bien sûr, un mec comme ça, un mec de promenade, il ne tient pas. Hein. Ouais. Donc, il y a visiblement une dizaine d'autres affaires qui vont arriver. Donc, il y a quand même des identitaires qui ont essayé au moins préparer des choses, mais d'une manière, pas très sécurisée, quoi. Mmh. Ils ont dû babasser sur Internet d'une manière ou d'une autre. Et puis, sur Internet, il n'y a pas grand-chose qui reste anonyme. Hein. Oui, c'est souvent ça, en fait. Voilà, c'est souvent les mecs se font prendre à vendre. Ouais, non, mais moi, je peux pas... Je dis pas que je cautionne pas ou que je cautionne. Je dis qu'au niveau où on en est... Ça sert plus à grand chose, mais je t'avoue que la césure politique, pour moi, c'est les gilets jaunes, quoi. C'est l'échec des gilets jaunes. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, j'ai compris que livré à nous-mêmes, Français de souche ou Européens, on n'a plus les moyens de renverser le pouvoir. Oui, parce qu'en fait, l'État est fort malgré tout. Il sait se défendre. Hein. Oui, il sait se défendre. Très bien. On n'a pas les moyens. Il n'y a plus l'agnac, il n'y a plus l'idée de sacrifice. Je sais pas, tu prends le 6 février 1934, puisque c'est une des grandes dates de référence dans notre univers mental, politique, quoi. Pour une escroquerie qui, somme toute, c'était pas le centième de l'escroquerie à la taxe carbone, t'as 50 000 nationalistes dans la rue, quoi. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Il faut en prendre acte aussi de la réalité. Il n'y a pas de manifestation de 500 000 personnes contre l'immigration. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. Regarde, dans l'affaire Lola, il y avait quoi, 1500 personnes à Paris, sous une pluie, c'était pas très réjouissant, mais 1500 personnes, c'est pas grand-chose. C'est vrai. Et en fait, ceux qui ont sauvé l'honneur, ce sont les Lyonnais, il faut le dire, quoi. Dans une manifestation
non déclarés. Ils ont considéré que ça suffisait et qu'il fallait montrer notre réprobation et notre rage aussi, notre colère. Parce que la manifestation parisienne, c'était... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pitoyable, quoi. Normalement, on doit exprimer de la rage et de la colère. C'est ça qu'on voulait, qu'un orateur exprime notre colère. Ouais. Et c'était pas du tout le cas. Moi je tiens pas. Il faut dire que je suis pas non plus très, très patient. Mais j'ai tenu réellement même pas 3 minutes, quoi. Ouais. En 2 minutes, je me suis barré, je me suis éloigné. Il y avait pluie et dents, en plus. Mais c'était pitoyable. Bon, ça a eu le mérite d'exister, tu me diras. Mais il vaut mieux une manifestation sauvage de 150 mecs teigneux plutôt qu'un rassemblement larmoyant de 2500 personnes sous la pluie, quoi. Ouais, et puis 1500, c'est pas beaucoup compte tenu de l'horreur du crime. Ouais. Non, mais le problème, c'est que s'il y avait que Lola, mais il n'y a pas que Lola. Tu sais très bien, tu suis des sites comme French Lives Matter ou d'autres qui répertorient systématiquement tous les meurtres. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon bouquin Le racisme anti-blanc en 2011. J'ai répertorié tous les crimes commis par des étrangers, je ne te parle pas des actes terroristes, hein, je te parle juste des crimes commis par des étrangers, souvent noirs ou arabes, contre des Français de souche sur le territoire français. Et je suis remonté donc aux années 70, avec sur l'équivalent d'une demi-page à chaque fois, la description de ce qui s'est passé. Quoi. Mm-hmm. Il y en a quand même, je ne sais pas, 150, 200. Mm-hmm. Donc, et je me suis arrêté en 2011, et depuis 2011, il y en a eu un paquet quand même. Hein. Ah bah oui, je pense à Axel Daurier, par exemple, ou moi, celui qui m'a... Gervaise, voilà. Qui se fait égorger en attendant ses enfants devant une école catholique. Ah oui, le mec, il est sûrement, il se fait égorger. Tu vois, j'avais oublié ça. Et ben justement, on l'a oublié, et Lola, on va l'oublier de la même manière si on continue. Ouais. Donc, il faut, à chaque Français qui est tué par un étranger, il faut manifester, mais pas attendre l'Institut pour la justice, rendez-vous place d'enfer au choix à 14h. C'est... Et suivant les consignes de la préfecture, puisque rendez-vous à 18h30 en pleine semaine, place d'enfer Rochereau, pardonnez-moi, ça aurait dû être sur les Champs-Élysées à 14h le samedi, quoi. Voilà, il n'y avait pas à tergiverser là-dessus. Ouais. On doit aussi imposer notre schéma, quoi. Oui, c'est on sûr. On se laisse aller, en fait, franchement, enfin, je ne veux pas démoraliser les non, auditeurs. Non, mais on présente un état de fait, en fait. C'est juste un état de fait. Voilà. Ça permet aussi de mettre en perspective, parce qu'évidemment, les gens qui n'ont jamais connu tes procès, la prison... Les grandes gueules sous pseudo sur Internet vont dire « Ah, Rissen, il s'est couché, mon ami. » Exactement. Mais alors qu'en fait, c'est important de parler de ça, parce que la question du sacrifice individuel se pose quand tu vois que ça ne suit pas derrière. Donc tu dis, en fait, non, mais je comprends tout à fait, je mets dans ta position, je dis, en fait, mais qu'est-ce que je me fais chier à être en prison pendant que les autres, ils posent des commentaires sur Internet en fait, et ils n'ont rien à foutre. Mais ça suit quand même. Il y a une force militante qui est très importante quand même. Hein. Il ne faut pas le nier. On est soutenu. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se sacrifier comme moi, que je l'ai fait, il est soutenu financièrement tout au long de sa carrière. Oui, c'est vrai. Tu peux faire un métier. Toi-même, par exemple, t'es soutenu. C'est vrai. Donc, non, il y a de la ressource. Il y a beaucoup de ressources chez nous. Simplement, aller en prison, enfin, on a toujours l'impression qu'on a 20 ans et qu'on est, disons, dans le milieu nationaliste. Normalement, si tu milites correctement, tu auras forcément un jour ou l'autre une garde à vue et un procès. Ouais. Mais d'accord, on a tous subi des procès. Hein. Donc, mais il ne faut pas s'arrêter là. Ce n'est pas parce que tu as eu un procès que ta carrière professionnelle est terminée. Enfin, sauf si tu veux faire carrière à la télévision, par exemple, ou dans le cinéma. Non, c'est vrai. Effectivement, c'est un peu rédhibitoire. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui sont agacés déjà par l'immigration. On voit à chaque élection, il y a Marine qui monte, même Zemmour a quand même fait un bon score. Mais je voulais dire, dans le vrai militantisme, on va dire où on peut perdre quelque chose. C'est-à-dire, tu fais une manif, tu fais une garde à vue, tu peux aller en tôle, il y a un danger physique parfois. Et là, on voit qu'il y a une limite. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas défiler contre l'islam ou contre l'immigration. Ils ont peur, clairement. Clairement, sur l'islam, c'est vrai qu'il y a une peur, c'est évident. Ouais. Quand les identitaires avaient fait une manifestation, c'était l'année dernière, là, je crois, c'était sur les attentats contre le djihadisme. Et ils se sont retrouvés, quoi, ils avaient 500-600 personnes. Effectivement, vu qu'il y avait une caméra qui avait pris la manifestation de loin, et ça paraissait ridicule. Quoi. Ouais. Alors que tu fais le bilan de tous ces attentats entre, je sais pas, 2014 et 2017. C'est épouvantable. C'est quand même effroyable. C'est des dizaines de milliers de personnes qui devraient y avoir dans la rue. Alors bon, il y a aussi le côté politique, les alliances, les ententes entre les uns et les autres qui font que, voilà, eux, ils se sont retrouvés à quelques centaines. Ouais. Mais, voilà, il y a aussi peut-être c'est peut-être un manque de courage, tout simplement. On veut plus se sacrifier, on vit comme des bourgeois. On vit comme des bourgeois. À partir du moment où t'es propriétaire d'un appartement, d'une voiture, d'un canapé, d'un téléviseur, et que t'es marié, que t'as des enfants, tu bouges plus. Mais là, il faut aussi... Enfin, moi, j'incite pas les jeunes de 18 ans ou de 25 ans. Non, au contraire, justement, on se dit... Mais on sait pas trop ce qu'il faut faire. Ensuite, chacun fait selon son caractère, sa personnalité, ce qu'il entend faire de sa vie. Disons qu'on peut dire que collectivement, il y a
un manque de courage à l'idée de perdre des choses, de sacrifier, on va dire, sa vie et son confort pour le militantisme. Ça, on le constate. Mais il y a une colère rentrée, quoi. C'est qu'on n'en peut plus vivre dans ce pays de merde, quoi. Ouais. Sérieusement, c'est épouvantable. La vitesse à laquelle ça va, c'est épouvantable. Mm-hmm. Je suis né en 1967. Ouais. En 1967, la France est française. Tu regardes les films, toi qui aimes bien, t'es cinéphile, tu regardes beaucoup, beaucoup les films. Tu regardes les films des années 60 ou 70, c'est une France française. Ils te mettent un noir de temps en temps, voilà, ça dérange personne. Même quand tu décris Paris des années 80, en fait, alors il y a déjà de l'immigration, mais enfin, tu me parles d'une France que moi, je n'ai pas connue, par exemple, parce que je suis né en années 80. Donc ça a changé en 15 ans, en fait. Bah, quand même, de l'autre côté, parce que là, je dis où j'habitais à l'époque, je suis à La Chapelle, c'est-à-dire entre Barbès et Stalingrad, côté 10e arrondissement, ça l'est, c'est un quartier français. Tu t'éloignais vers Max Dormois, c'est déjà un quartier arabe. Hein. Ouais, donc Barbès était déjà arabe, bien sûr. Oui. Mais le problème, c'est que on assiste à un effondrement, mais subi, quoi. Ouais. Mais il faut prendre axe aussi de ce que disent nos adversaires intellectuels. Quand Daniel Cohn-Bendit te dit dans un bouquin, j'ai cité les références, c'est dans mes bouquins, je crois que c'est dans Le Fanatisme ou Le Psychanalyse, je ne sais plus, il te dit qu'il souhaiterait qu'il y ait 2/3 d'étrangers en France. Et 2/3 de la population française doivent venir de continents, d'autres continents. Incroyable. Il te le dit clairement, c'est son souhait, c'est ce qu'ils veulent. Ouais, c'est même pas caché. Je vais pas te revenir sur les propos de Jacques Attali, il s'en cache pas, il n'y a pas de complot, c'est juste une guerre d'influence entre certaines personnes qui veulent établir un Occident sur tout le reste de l'humanité. C'est ce que dit Edgar Morin, un Occident sur toute l'humanité. C'est-à-dire une société multiculturelle sur toute l'humanité, que ce soit dans les pays arabes, les pays noirs... établir la société occidentale telle qu'on la connaît aujourd'hui comme modèle pour la Russie, pour l'Ukraine, pour l'Inde, pour la Chine. Ouais. Et tôt ou tard, l'Occident viendra à mener une guerre contre la Chine. Bon, là, je dévie un petit peu du sujet sur lequel on était. Mais on part du principe où on est militant et on défend un schéma traditionnel. Okay, la famille traditionnelle, la France traditionnelle, l'Europe traditionnelle, et on s'oppose à des militants mondialistes, que ce soit des gauchistes, que ce soit, je ne sais pas, toutes les communautés que l'on peut connaître, y compris le monde musulman, qui veut un autre modèle que ce que nous, on a à proposer. Donc, il n'y a pas... En l'occurrence, il n'y a pas deux camps en France. On n'a pas à faire alliance avec les uns ou avec les autres, à partir du moment où on est sûr de notre propre identité. Mais ce que tu dis est vrai, d'ailleurs, je trouve que les nations ne lisent pas assez les livres des ennemis idéologiques. Ils sont très clairs, Attali est très clair. Ouais. Je crois qu'il disait qu'il faut 20 millions d'arrivées en Europe sur 10 ans. Ah, voilà, créer les éco-villages avec des gens, des Éthiopiens. Macron, mais Macron le dit, tu vois. C'est ce qu'ils veulent, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce qu'ils souhaitent, c'est le village à côté de chez vous, ça sera un village de Kigounou. On rit, mais c'est vraiment affreux. Non, mais c'est leur objectif, c'est leur but, ils travaillent pour cela. Et ce qui nous arrive depuis, allez, on va dire, on ne va pas remonter à 1791, mais ce qui nous arrive, c'est voulu, programmé par les élites qui sont au pouvoir. C'est pas le fait du hasard, c'est pas... Non, mais la question démographique est importante. Je te le disais tout à l'heure, là, dans 2 semaines, on sera à 8 milliards d'individus sur Terre. Ouais. Les Blancs représenteront, entre les Blancs d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Australie, ça sera quoi ? Peut-être 6%, je pense, de la population totale. Une jeune femme blanche en âge de procréer, ça sera 1,5% de la population totale, peut-être 1% de la population totale. La minorité, c'est nous aujourd'hui. On a le droit de se défendre, hein, pour reprendre la phraséologie gauchiste. Ouais. Nous sommes minoritaires, nous avons le droit de nous défendre. On a même droit à des subventions aujourd'hui, je dirais, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais finalement, propos de subventions, je rebondis tout de suite. Cette semaine, je vois les subventions qui ont été allouées au journal Le Monde, Journal du Dimanche, Libération, Le Figaro, tout ça, c'est des dizaines de millions d'euros. Ces gens-là ne tiennent que par les subventions d'État. C'est-à-dire que toute cette machine, toute cette propagande médiatique ne tient que par les subventions d'État. Regarde, ce matin, je lis sur mon smartphone le magazine Elle. Tu vois, je suis éclectique dans mes lectures. Je me dis, tiens, ça fait 3 ans que je n'ai pas lu ce journal de merde, je vais regarder ce qui se passe. Bon, c'est la même propagande cosmopolite que tu as partout ailleurs, sauf que c'est beaucoup plus commercial, quoi. Les petits sacs à main, les chaussures, etc. Pourquoi je te parle de ça ? Oui, je voyais de la publicité pour un film merveilleux d'un acteur avec un nom oriental, avec une famille recomposée et puis des petits métis, quoi. Je fais, bon, qui va aller regarder ce film ?
peut-être quoi, 15 000 personnes. Il va sortir dans combien de salles? Mais par contre, le mec va pas perdre d'argent. Mais non, ça vit des subventions, en fait. Le mec ne perdra pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils sont payés, des étrangers sont payés pour pervertir nos esprits et pour nous imposer un schéma de pensée qui n'était pas du tout le nôtre. Quoi. Ouais, mais tout ça, bah, ils ont le pouvoir, donc ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, non, c'est ça, effectivement. Hein. Mais ce que je veux vous dire, ce que je tiens absolument à dire, c'est que tout ça est programmé, c'est voulu. L'immigration, l'islam, l'arrivée de l'islam aujourd'hui en France, c'est programmé par nos élites. Mmh. Donc on ne peut pas s'en prendre que à l'islam. Il faut aussi, il faut les deux en fait. Mais toutes les divergences entre patriotes, elles sont là. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui grossissent. Oui, voilà, c'est stratégique en fait. On n'est pas d'accord sur la communauté, stratégie. Il y en a qui grossissent l'autre communauté. Mmh. Mais il n'y a pas deux camps, il y a trois camps. Il y a trois camps. Il y a les patriotes, il y a les immigrés et puis il y a le pouvoir. Bah, de toute manière, à l'Assemblée nationale, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Ce qui est très clair, c'est que quand un journaliste de gauche ou un politique. N'importe qui, en fait, de mainstream va parler de nous, ils nous mettent constamment toujours dans le même panier. Ça, c'est un truc qu'il faut toujours garder en tête. C'est-à-dire qu'ils vont mettre Damien Rieu, Ryssen, moi, dans le même panier. Donc, ouais. Ça veut quand même dire quelque chose. Ouais. Alors, pour revenir à ton bouquin, simplement pour expliquer ce que j'ai aimé dans le livre, en fait, je m'attendais à ce que tu parles de ton passage en prison de manière factuelle et, j'allais dire, soporifique. C'est pas ça, mais je veux dire, sans dériver. Alors qu'en fait, il y a une espèce de montage parallèle dans le livre parce que, à la fois, tu parles de moments en prison, de moments où tu passes devant le tribunal, parce qu'en plus, il y a une angoisse. Parce que, alors que t'es en prison, tu sais pas combien de temps tu vas rester. Ouais, c'est ce qui est plus terrible. Parce que tu te dis, tu vas peut-être, à cause d'autres procès, prendre encore un ou deux ans de plus. Ouais. Voilà. Mais aussi, tu évoques des souvenirs d'enfance, aussi, comment tu es passé de la gauche à la droite. Et je voulais en parler aux gens pour dire que c'est un livre aussi finalement assez personnel, on peut le dire. Ouais, fais un peu le bilan de ton militantisme, arrivé à quoi ? T'as 55 ans ? Ouais. Ouais, voilà. Est-ce que ça t'a fait du bien d'écrire ce livre ? Parce qu'il y a vraiment un aspect autobiographique. Ça fait toujours du bien d'écrire un livre. Hein. Ouais. Les gens qui en sentent le besoin, qui ne savent pas, moi je ne sais pas trop. Enfin, je m'exprime, mais moins bien que beaucoup de personnes à l'oral. Donc, et puis, Non, il faut toujours faire un livre pour. Moi, ça clarifie ma pensée. Et puis, de toute manière, c'est mon métier. Donc, je ne me pose même plus de questions. Donc, non, mais j'ai besoin aussi de. C'est pas un livre de propagande comme les autres. Enfin, quand je dis propagande, un livre d'éclaircissement intellectuel. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à écrire en 2005, c'est parce que ce que je voyais, ce que je constatais, n'avait jamais été exprimé par d'autres. Mmh. Voilà, j'ai voulu comprendre un certain sujet et je voyais que personne n'avait compris avant moi. Donc, petit à petit, au fur et à mesure que j'avançais dans mes travaux de recherche, tout s'est décanté, je formais mes chapitres de bouquins comme ça et j'ai ressenti le besoin pendant une dizaine d'années d'éclaircir toute la situation. Là, c'est plutôt un livre bilan, effectivement, de toutes ces années de militantisme et de ces années de travail et de recherche. Ouais. Puisque je savais que je tournais la page. Donc, j'en ai profité aussi, effectivement, pour introduire des éléments de mon enfance, mon parcours familial, etc. Ouais. Mais puis, ça permettait aussi d'agrémenter le bouquin, si tu veux. L'important, quand tu écris un livre, c'est que le lecteur aille jusqu'au bout. Ouais. C'est pas de dire tout. Même là, j'ai pas tout dit, hein. Il ne faut pas lasser le lecteur. Il faut qu'à la fin d'un chapitre, le lecteur ait envie de lire le chapitre suivant. Comme quand tu regardes une série qui te prend vraiment, où tu rentres dedans, il y a un épisode qui s'arrête. Si tu as téléchargé la série, tu ne t'arrêtes pas. Quoi. Moi, quand je regardais Les Sopranos, je me couchais à 4h du matin. Tu n'arrêtes pas. Mais c'est ce que je voulais dire. Quand tu écris un livre, il ne faut pas que le lecteur s'ennuie. Il ne faut pas qu'il soit lassé. Il ne faut pas qu'il se prenne la tête à relire trois fois, à revenir à la page précédente pour comprendre ce que tu as dit. Il faut que ça soit fluide. Tiens, tu vois, regarde, donc je rebondis tout de suite là-dessus. Serge de Beketch, que je n'ai pas beaucoup connu, mais je suis allé deux, trois fois chez lui, et je lui ai posé la question. Et moi, je connaissais déjà la réponse, parce que quand tu lisais les éditoriaux de Serge de Beketch, c'était toujours sur une page. Bon, en termes graphiques, montage, c'était nul. C'était une page à quatre sur deux colonnes, point barre, tu vois, écrit en assez gros. Et le truc, tu le dévorais en 30 secondes, quoi, tu lisais ça. Ouais. Et je lui avais posé la question, combien de temps vous mettez pour écrire votre éditorial ? Ouais. Il réfléchit un peu, et il me fait 20 heures. Oh là ! Bah oui, 20 heures, truc qui est lisible aussi facilement, c'est qu'il y a du travail derrière. Ah ouais, tu écris, réécris, bien sûr, va, voilà, 20 heures. Voilà. Et Céline, il le dit lui-même, enfin, il donne pas ses horaires de travail, mais il y a probablement énormément de travail derrière. Quand dans Voyage au bout de la nuit ou dans Mort à crédit, il y a beaucoup de travail derrière. Bien sûr. Donc, un bon livre, c'est beaucoup de travail. Et puis aussi, bon, le style, chacun a son style. Moi, je sais que j'ai pas du tout le style littéraire des gens qui ont fait des études de latin ou de grec. Oui. Mais j'écris comme je le pense, mais c'est quand même souvent fluide, quoi. C'est ça, mais il y a aussi une décontraction, c'est-à-dire que tu fais souvent des blagues. Enfin, le livre est souvent amusant, Mais pourquoi les gens ne lisent plus ou beaucoup moins? C'est que la plupart des livres sont chiants. Ouais, bien sûr.
Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, dans un des moments que, tu vois, et je l'oublie pas, et ça doit faire 15 ans ou 20 ans, je fais une conférence en Suisse, à Lausanne. Je sais pas, ça doit être 2012, 2013, j'en sais rien. Et à la fin de la conférence, je vends des bouquins et j'avais le petit livre rouge. Ouais. Et il y a une jeune fille de, je sais pas, elle devait avoir 20, 22 ans, qui me dit, alors je crois qu'elle faisait des études dans l'agriculture. Tu vois, pas du tout le profil à lire des bouquins, quoi. Ouais. Elle me dit, j'ai lu votre petit livre rouge. Écoutez, moi, d'habitude, je lis pas. Je lis pas de livre, mais j'ai lu votre petit livre rouge. J'aimerais bien poursuivre. Elle m'a acheté Psychanalyse du judaïsme. D'ailleurs. Tu vois, pour une fille qui est qui. Ça, c'est les compétences des études dans l'agriculture. Mais bien sûr, ça fait plaisir parce que c'est, tu peux prendre plaisir à la lecture pour des bons livres. Mais moi, des bons livres, tiens, si je te demande de me citer des bons livres là. Récents. À quoi tu penses? Des bons livres récents dans les qui te happent, qui t'emmènent carrément dans l'histoire ou dans le récit. Franchement, des 10 dernières années, je crois que je pourrais pas t'en citer un de tête. Bah ouais. Si je prends une heure, je vais peut-être en trouver, mais... Voilà. Ouais. La lecture, ça doit être un plaisir. Si c'est emmerdant, bah, tu passes au smartphone et tu regardes des vidéos YouTube de Daniel Conversano. Alors justement, il y a un moment... Qui sont d'ailleurs aussi très amusantes. Voilà. Mais t'apprends moment... moins de choses. Alors, il y a un moment, j'ai éclaté de rire. C'est page 21. Donc, le lendemain, à 9h, ma porte s'ouvrit. Lalin, vous changez de cellule. Cool, je pense que ça les arrangeait bien de m'envoyer à l'autre bout du couloir. J'avais dû importuner le premier surveillant de service dont le bureau était au rond-point à 5 cellules de la mienne. Un jour que je gueulais à la fenêtre, il n'avait pu réprimer son agacement. Je l'avais entendu. Je faisais comme les autres détenus de tous les étages qui s'interpellent à la fenêtre d'un bout à l'autre du bâtiment en commençant par un long « Oh ! Oh ! » Alors ça fait « Oh ! Karim ! » ou bien « Oh ! Moussa ! » qui peuvent répéter 10 fois avant que l'autre réponse. Bah, insupportable. Ouais, c'est insupportable ou pas. Moi, j'interpellais souvent un ami imaginaire. Oh, Charles-Henri ! Oh, Charles-Hubert ! Ça s'entendait jusqu'au bâtiment des deux de l'autre côté du stade. Moi, je peux gueuler très fort. Je peux gueuler très fort, ouais. Ouais, c'est ta personnalité, ton côté poil à gratter. Alors, peu. En fait, c'est pas « Oh, Karim !» C'est « Oh, Karim !» Ouais, pour que le mec réponde, quoi. « Oh, Karim !» Voilà, et le mec, il interpelle un mec à 40 fenêtres de la sienne. Oh putain. Ça n'arrête pas, c'est que ça. Ou alors, quand tu veux parler à ton voisin, je sais pas, pour lui faire descendre un morceau de shit ou de chocolat, c'est bam bam contre le mur. Bam 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 bam. Oh, Karim. Ouais. Bam bam bam. Bon, voilà. Donc, ouais, sans, quand on parle de bruit, c'est vraiment du vacarme insupportable, de con. Sans arrêt. Et moi, le seul moyen que j'avais pour couvrir tout ça, c'est de faire plus de bruit que. Mais la vérité, c'est que j'étais épouvantable, quoi. J'ai vraiment. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont foutu en mitard. C'était pas seulement pour l'affaire du noir, là. C'est parce que je me laissais pas faire. Quand il y avait un voisin de cellule, un voisin au troisième étage qui faisait du bruit, je faisais plus de bruit que lui. 7h du matin, je plaque le lit en fer, bam. Je prends la chaise, tu vois, je la frotte contre le sol. J'avais même ma batterie de casserole en dessous, je donnais des coups de pied dedans, tu vois, pour faire un maximum de bruit. Donc j'étais épouvantable, quoi. Ouais, tu faisais vengeance, en fait. Totalement intolérant, quoi. Ouais. En fait, c'est ça, c'est une question de tolérance. Et je me rends compte que pour être bien soi-même, il faut être tolérant, accepter ton environnement tel qu'il est, en fait, en prison, il faut, c'est ça. Tu acceptes. Ouais, ouais. Tu ne peux pas changer les autres. Donc c'est à toi de changer. Ouais, et tu vois, au bout de 6 mois, je n'ai toujours pas compris. Donc c'était l'enfer pour moi, c'était vraiment l'enfer. Chaque fois que t'as fait un nouveau bougre, t'essaies quand même un peu de négocier. Non, écoute, ça me gêne. Pourquoi tu veux m'emmerder en particulier? Ouais, ouais. Au début, j'étais comme ça. Hein. Ouais. Mais je me souviens qu'un jour, tiens, ça, je ne l'ai pas raconté, parce que je ne peux pas tout dire, mais je suis en promenade avec Alex, là, le seul identitaire, le seul mec que j'ai connu un peu en promenade. Dans la promenade, c'est une cour, c'est 20 mètres carrés, 4 murs. Hein. Au lieu d'avoir un plafond au-dessus de la tête, t'as un dégrillage. Voilà, c'est ça la promenade. Donc il n'y a rien, t'as même pas un banc pour t'asseoir. Quoi. C'est ouvert aux quatre vents. Enfin, et j'allais bien jusqu'au moment où j'entends. C'est une musique techno. Enfin, un truc. Je fais putain, c'est quoi encore ce truc quoi. Et je me dis, voilà, ça me pétait les couilles pendant plusieurs semaines. Un mec au premier étage qui met de la musique fort, je sais pas, un nouveau prisonnier qui arrive, il a cantiné un gros poste de radio dans une autre prison, il arrive, il met sa musique à fond. Et là, ça, tout le reste de la promenade, j'étais déprimé, ouais. Quoi, parce que je me dis, quoi, il va falloir encore que je lutte contre ça. Le fait est, c'est que j'ai toujours voulu changer mon environnement. Ouais. J'ai jamais accepté de vivre dans cette vacarme, cellule. Quoi. Donc je me dis, putain, pourquoi il fait chier le monde avec sa musique? Est-ce que moi, je fais chier les gens? Je fais chier personne. Mais le fait est, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains en prison, tu vois. Ouais. En fait, j'étais le seul en France, donc... J'ai été étonné d'apprendre que les prisonniers ont le droit de faire du bruit, comme ça que les gardiens s'en foutent un peu, en fait. Ils peuvent rien faire. Un gardien n'a pas le droit d'entrer dans ta cellule. Ouais.
sauf pour une fouille, par exemple. Mais il n'est pas tout seul à ce moment-là, ils sont deux ou trois. Ouais. Il rentre dans ta cellule quand toi, tu es sorti, tous les jours d'ailleurs. Tous les jours, c'était aux alentours de 14-15 heures. Quand tu es supposé être en promenade, si tu ne vas pas en promenade, c'est que tu restes dans ton plumard. Tranquille, tu te dis, j'ai 2 heures de libre, 2 heures de promenade. Non, t'es jamais tranquille. Et là, c'est l'heure du sondage des barreaux. D'accord. Donc, deux surveillants qui arrivent. Toi, tu sors de la cellule, il y en a un qui te barre le passage pour pas que tu te jettes à la gorge de l'autre surveillant et que tu le mordes ici, avec tes dents, tu vois. Ouais. Et le deuxième, il sonde les barreaux avec une tige en ferraille, là, voir si tu passes ton sonnet tes barreaux. Ah oui, d'accord. Voilà. Comprends. Et ensuite, il sort, toi, tu rentres dans ta cellule, puis tu continues à comater. Quoi. D'accord. Ouais. C'est l'horreur. La prison, c'est l'horreur. Il y a d'autres moments où tu essayes de passer le temps en prison, puis tu es un mec qui aime lire de toute manière, donc tu chopes des bouquins à la bibliothèque de la prison. À un moment donné, tu lis Emmanuel Todd, alors après j'ai éclaté de rire. Mais c'est vrai que ce mec est hyper valorisé, même dans nos milieux. Alors dans une partie de notre milieu, il est très valorisé. Ouais. Tu me parlais toi-même de fait quand tu faisais des recherches sur F de Souche pour voir quel était le nombre d'occurrences de. Ouais. Bassem, voilà. Bah, moi, j'ai tapé ça sur un autre site et j'ai tapé Emmanuel Todd. Et puis, t'as des dizaines et des dizaines d'occurrences, comme si Emmanuel Todd, c'était la référence intellectuelle du patriote français. Mmh. Alors qu'Emmanuel Todd, c'est comme Edgar Morin. Ils ont exactement le même schéma politique pour notre avenir que celui de Jacques Attali. Simplement, il est anti-sioniste. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. À partir du moment où ils sont anti-sionistes, il y en a certains qui pissent partout et qui s'imaginent que ce mec est des nôtres. Mais si, oui, les phrases du tout. Emmanuel Todd, il le dit très clairement. Il veut que Paris devienne le pandémonium, le conglomérat de toutes les races du monde qui peuvent fusionner et recréer un nouveau Jérusalem. C'est exactement ce qu'il dit. Je cite ça. Jérusalem. Absolument. Ouais. Bon, il n'est pas de nos amis, celui-là. Enfin, je ne crois pas. Mais parce qu'il est anti-sioniste, comme Edgar Morin ou l'autre qui est mort, enfin bref, peu importe, c'est pas le meilleur critère pour penser que c'est un ami ou un ennemi, quoi. Il y a d'autres critères que cela. Il n'y a pas que ça, effectivement. Et le fait est que la politique, c'est l'art du dosage. Quand tu vas trop dans un sens, tu perds les militants qui seraient disposés à te soutenir, mais qui ressentent moins le besoin de s'attaquer à tel ou tel problème. Alors, il y a aussi, donc c'est pas la première fois que tu en parles, mais dans le livre, tu parles de ta jeunesse, quand tu étais de gauche, même gauchiste. Ça te permet de... Est-ce que tu penses que ces gens, ils sont récupérables collectivement, toi ? Parce que toi, tu as fait le chemin, tu as réussi de passer à la gauche, à la droite nationale. Ouais. Qu'est-ce qui bloque, toi, qui as vécu ça de l'intérieur ? Il y a cette croyance naïve que l'homme blanc est responsable de tous les maux de la Terre. Et donc, en fait, tu expliques bien, en fait, ce qu'eux appellent le communisme, c'est l'idée que les grands méchants, c'est les patrons, donc c'est les blancs. Ouais. Et en fait, en gros, quand il n'y aura plus de blancs, tout ira mieux. Fondamentalement, c'est ce qu'ils pensent. De manière plus ou moins consciente. Hein. Ouais. Mais je me souviens, d'ailleurs, je crois que je l'ai lu dans le bouquin, que je suis à la Sorbonne. D'ailleurs, il y a Frédéric Pichon qui est là en ligne avec moi, tu vois. Frédéric Pichon, l'avocat. Et on s'est pas revu depuis, hein, enfin, ou pas beaucoup en tout cas. Et je demande, on est dans un couloir de la Sorbonne, il y a des gauchistes face à nous, et je demande à une fille qui est en face, je dis, mais en somme, 30 millions d'immigrés en France, ça te dérangerait pas? Elle me dit, non. Pour eux, la fin de la race blanche, c'est l'émancipation. C'est triomphe, totale. En fait, c'est leur eschatologie quasiment. Oui, c'est ça. Non, mais on leur a mis dans le crâne, parce qu'ils ne sont pas responsables de tout ça. On leur a mis dans le crâne que l'homme blanc, c'était le mal absolu. Ouais. Mais je ne dis pas que l'homme blanc est partout et toujours quelqu'un de formidable, qui fait des ponts, des usines, des hôpitaux. Je ne dis pas ça. Non, mais on n'est pas l'incarnation du mal. Parce que non, l'incarnation du mal, pour moi, c'est la prédation à outrance, c'est-à-dire le fait de vouloir toujours faire du bénéfice au détriment du bien-être de la population, quoi. Mais c'est pas ce qui caractérise l'homme blanc ces 3000 dernières années, quoi. On n'a jamais été dans cet état d'esprit. Enfin, écoute, j'ai pas trop envie de rentrer dans ces considérations parce que ça m'amène très rapidement vers un de mes bouquins sur la finance. C'est vraiment sur le gauchisme. Je me demande toujours, qu'est-ce qui fait que certains vont sortir comme ça de cette prison mentale et qu'est-ce qui fait que d'autres vont y rester ? Parce qu'on se dit avec tous les attentats, en fait, toute cette violence qui est à sens unique finalement contre les blancs, comment ça se fait que les jeunes de gauche n'arrivent pas à se mettre de claque sur la gueule ? C'est la puissance de la propagande. C'est la puissance de la propagande. C'est la propagande. L'esprit de l'homme blanc, peut-être davantage que chez les autres races humaines, est malléable, quoi. T'en fais ce que tu veux, tu peux lui faire croire n'importe quoi. Ouais, une gentillesse comme ça, une naïveté. Peut-être une naïveté. On peut faire croire n'importe quoi aux gens à force de propagande. Ouais. Voilà.
tu... Je sais pas, écoute, on a bien... Je pense que si on interroge des gens dans la rue, on leur dit qui est le responsable de l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ils vont dire, bien sûr, ce sont les Russes. Mm. Tu vois, sans même réfléchir à ce que, quel serait l'intérêt de la Russie à faire exploser les gazoducs qui leur permettent de vendre du gaz à l'Allemagne. Mm. Aucun intérêt. Mais on leur a foutu dans le crâne que c'était des Russes. Mm. On leur a fait croire que c'était des Russes qui pouvaient... Alors, je sais bien, là-dessus, on a quelques divergences. Mm. On a pu leur faire croire que les Russes bombardaient eux-mêmes une centrale nucléaire qui leur appartenait et mmh. qu'ils contrôlaient. Ouais. On peut tout faire croire aux gens, en fait. Il faut partir de là. Et surtout à l'homme européen. Je pense qu'on peut lui faire croire que des choses que n'importe quel petit arabe, là où n'importe quel petit arabe se mettrait à douter, quoi. C'est ce qui peut paraître paradoxal, puisque collectivement, la situation européenne est censée être plus intelligente. Ouais, enfin, tout à fait, c'est, oui. Oui, mais on a aussi notre talon d'Achille. Dépasse, moi, ouais. Je pense que le talon d'Achille de l'homme blanc, c'est la crédulité, quoi. Mmh. Alors, il y a le système, pour moi, tout part du système médiatique. Mm. Tout part du fait que notre système médiatique est confisqué, est entre les mains de gens qui ne nous veulent pas du bien. Ouais, ouais. Voilà. Et je te dis, toi, tu es cinéphile, tu aimes le cinéma. Tu vois comme moi que quand il y a un méchant dans un film, depuis des années et des années, c'est toujours un homme blanc. Et les gentils sont incarnés par des hommes de toutes les races. Des blancs, des noirs, des jaunes, mais jamais d'arabes, hein, jamais musulmans, parce qu'à Hollywood, on n'aime pas tellement les musulmans, visiblement. Mais c'est toujours le même principe. Le salaud, c'est un blanc, que ce soit un prêtre ou un raciste blanc, on va prendre un trafiquant d'héroïne, c'est un grand blond aux yeux bleus, tu vois. Mmh. Bon, c'est la réalité. Truc super courant, quoi. T'en croises tous les jours, les gars. Mais c'est vrai qu'à une soirée alcoolisée avec un ami, on se disait, on va essayer de penser à 10 films où le méchant est un noir. On n'en a pas trouvé 10. On a trouvé 4-5. On a trouvé Training Day, Demolition Man, Candyman, qui est un film d'horreur, le méchant, c'est un noir. Ah, tu vois, on n'est pas arrivé à 10. Ah, et pendant 2 heures, on était là, tu sais, tous les souvenirs de ces films. On est remonté aux années 60. Hein. Je noterais tes films parce que justement, j'en cherchais moi-même. Non, mais franchement, il n'y en a pas 20. Non, il n'y en a pas 10. On n'a pas trouvé 10, non, en tout cas. Non, il n'y en a pas 10, c'est sûr. Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Dans tous mes bouquins, j'ai toujours un chapitre sur le cinéma, voire ou deux mêmes chapitres sur le cinéma. Donc, tous les films depuis les années 50, je remontais quand même aux années 50, et je vois que c'est toujours le même truc. Hein. Tu sais que l'apologie de l'homosexualité... Là, on parle du wokisme. Mm-hmm. Moi, je ne connaissais pas ce mot woke, ça date d'il y a un an, en France. Avant, c'était un mot, un terme typiquement américain, quoi. Ouais, au fond, c'est la nouvelle évolution des gauchistes. Hein. Mais non, ce n'est pas une nouvelle évolution, ça a toujours été comme ça. Tu prends l'Allemagne des années 30, c'est exactement ça. Tu as les transsexuels, les homosexuels, les travestis dans toutes les boîtes de nuit. Tu prends les témoignages d'Elie Wiesel ou de... Ou de, comment il s'appelle, pas de Lucien Rabatet, mais son comparse, là. Ah, il le disait déjà. Voilà. Braziac. Oui, Braziac. Bah, voilà. C'est toujours le même schéma. Tu prends les films d'Otto Preminger des années 50, déjà, il y a une certaine idée de populariser l'homosexualité. Les années 50, ils vont doucement, tu vois. Je plaisante, parce que je me dis, au bout de 15 ans de lutte contre les Juifs, là, Hervé va partir sur autre chose et ça va encore finir mal pour toi. Non, mais je regarde, c'est déjà acté, c'est dans les bouquins. Mais voilà, ce que je veux te dire simplement, on parlait de dégauchiser les gauchistes. Oui, c'est possible. Objectivement, il faut être honnête. Regarde, par exemple, j'ai dédicacé la journée de synthèse nationale la semaine dernière. Mm-hmm. J'ai encore, parce que je pose toujours la question, quel est ton parcours politique, d'où tu viens, comment est-ce que tu arrives jusqu'à moi? Et ça passe quand même souvent par Dieudonné et Soral. Ouais. Toi-même, t'es passé par Dieudonné et Soral. J'en ai qu'un seul qui m'a dit non, démocratie participative. Et ensuite, ils arrivent à moi, tu vois, comme si j'étais beaucoup plus centré. Bon, voilà. Donc, mais les choses ont évolué quand même. Toi, t'as fait une grosse part de travail aussi, de par ta personnalité, de par ta manière. T'as quand même changé aussi les choses. Ouais, c'est vrai. Dans les années 80, 90, même 2000, les gens d'extrême droite ont les cheveux très courts. Ouais. Ils sont moins portés sur le cinéma et la littérature que toi. Mmh. Donc t'as fait un bon travail. Chacun à sa place, je pense, à l'extrême droite. Ouais, apporte sa pierre à l'édifice. Tu vois, je suis intolérant, mais seulement à l'encontre de nos adversaires et nos ennemis. Mmh. Mais entre nous, bon, je me moque un peu des fois, mais si on peut pas se moquer un peu des défauts entre nous, mais bon enfant. Ouais.
n'est pas obligé d'entrer en guerre tout de suite, hein, dès qu'il y a une divergence. Par exemple, avec toi, on a beaucoup de divergences sur l'Ukraine, sur les vaccins, et puis tu vois, on est là tous les deux à discuter. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est important. Moi, c'est vrai que les gens aussi, moi, je suis issu du prolétariat, alors des fois, c'est vrai que j'ai l'insulte facile, mais je veux dire, c'est pas parce que vous traitez un mec de con que vous le détestez, que vous voulez le vomir. Non, parce que c'est vrai que des fois, Sautarel, il me gave, des fois, dans sa ligne, il me fait chier. Alors des fois, j'ai tendance à être vulgaire quand je parle de lui, mais j'ai évidemment plus de respect pour Sautarel, pour que n'importe quel gauchiste qu'on voit à la télé, c'est évident. Évidemment. Mais j'ai pas besoin de le formuler, en fait. Il faut parler entre nous, il faut communiquer entre nous. Ça décoince toutes les situations. Ouais, moi, j'ai même des gens qui me disent j'ai regardé d'abord Papacito, puis après j'ai rebondi sur toi. Pourquoi pas. Bon, c'est Papacito qui veut pas discuter avec nous, mais c'est encore une autre histoire, ça. Mais ce sont des querelles d'influence, c'est-à-dire qui fait le plus de vues sur YouTube. Et toi-même, tu es dedans. Hein. Bah oui, non, mais forcément. Voilà. Non, mais la concurrence, ça peut être sain, hein, mais il faut pas que ça soit de la haine, quoi. C'est juste ça, voilà. Alors, c'est quoi l'avenir, du coup, Hervé ? Qu'est-ce que tu nous mijotes ? Du repos pour l'instant ? Ah, pour moi, de mon point de vue, oui, bah, je veux dire, au niveau créatif. Personnellement, je travaille sur un nouveau documentaire, parce que j'ai quand même, j'ai pas écrit que des livres, j'ai écrit 13 livres et j'ai réalisé 11 documentaires, ou ce que j'appelle plutôt montage documentaire, parce que je pars de l'immense vivier qui est Internet, pour trouver des vidéos. Tu sais, des fois, tu as des vidéos, des documentaires d'une heure, tu as 3 minutes que tu peux prendre en termes d'image. Mm-hmm. Bon, ben voilà, moi, je fais des montages documentaires, c'est-à-dire que quand j'attaque un sujet, j'essaye de faire comme pour les livres, c'est-à-dire pour les livres, j'ai lu des milliers de livres pour en arriver à certains chapitres. Eh ben, en documentaire, c'est pareil. J'essaye de faire une moisson exhaustive, une moisson la plus large possible de documents pour pouvoir ensuite qu'on en fait un documentaire d'1h30, un montage documentaire. Et là, je fais un montage documentaire sur le racisme anti-blanc. D'accord. Voilà, ce qui n'a pas été fait. Mm-hmm. Ce qui n'a toujours pas été fait. Alors là, je ne te parle pas de faire une recension de toutes les victimes blanches avec leurs photos. Et puis, voilà, non, je ne te parle pas de ça. Là, en fait, ça sera uniquement concentré sur les Noirs. Pas sur les Arabes. Ok. Donc, parce qu'il y a tellement de choses que, et de ce que je vois, il y a tellement de d'images de racisme noir à l'encontre des blancs que on en fait un documentaire uniquement avec cette source. Oui, il y a matière. Alors en premier lieu, il y a toute la matière, disons, de violence de rue, et ça fait beaucoup. Hein. Mmh. Ça fait vraiment beaucoup. Hein. Tu vois. Tous ces journalistes là qui parlent de racisme toujours pour dénoncer la communauté blanche qui est aujourd'hui très largement minoritaire dans le monde n'ont pas d'image à nous donner de racisme blanc. Les skinheads des années 80, c'est terminé aujourd'hui. Ouais. Non, mais donne-moi, je sais pas, 5 vidéos de blancs qui attaquent une pauvre victime de couleur dans une des villes françaises. Ça n'existe pas, il n'y a pas ça. Par contre, des vidéos de noirs qui attaquent en groupe, toujours à 3 ou 4 contre 1 minimum, hein. Mm-hmm. Des blancs qui se font tabasser, éclater la gueule par terre par des noirs, il y en a plein. Mm-hmm. Je suis désolé de le dire, mais il faut en parler aussi. Moi, ça ne me dérange pas d'en parler auprès de personnes de couleur. Hein. D'ailleurs, à la journée pour Lola, la semaine dernière, il y a un noir qui était avec un de ses copains, qui me salue chaleureusement, cordialement. Merci, pas de problème. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Je fais un documentaire sur le racisme anti-blanc, et effectivement, centré sur les Noirs. Et moi, je parle de mes convictions à tout le monde, sans aucun problème. Mm-hmm. Mais je pars du principe où moi, je suis un Européen qui défend ma communauté. Si tu acceptes cela, on peut parler, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta religion. Mm-hmm. Si tu ne l'acceptes pas, on ne parle pas. Bah oui. Et puis tu ne viens pas me voir, tu ne viens pas me saluer. Mmh. Mais moi, j'entends que même les autres représentants d'autres communautés respectent mes convictions racialistes, si je puis dire. Oui. Je défends ma communauté. Je trouve que je suis européen, je défends les Européens. Mmh. Et j'estime, et là-dessus, on sera bien d'accord, qu'un Européen doit faire des enfants européens. On est d'accord ? Sinon, ça ne sert plus à rien d'avoir des convictions. Hein. Mmh. Donc, c'est la base, mais il est bon de le rappeler, y compris dans le camp national. Hein. Oui, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu nationaliste. Ouais. Je vois des gens qui ont des convictions qui sont les mêmes que les miennes, parfois même qui vont au-delà, et qui, dans leur vie privée, sont incohérents. Quoi. Mm-hmm. Ça existe, mais bon, ensuite, c'est les aléas de la vie qui font que... Mais enfin, il faut quand même... Nous, notre rôle en tant qu'intellectuel ou, disons, influenceur, c'est quand même de donner la bonne direction. On est d'accord ? Ouais. Voilà. Alors ensuite, bon, ça, c'est mon...
C'est ce que je fais personnellement, c'est le travail sur lequel je suis en ce moment, voilà, le racisme anti-blanc. Ensuite, parce que je crois que, tu sais, à force de récolter des éléments documentaires, tu vois aussi que du côté de l'islam, il y a quelques problèmes. Est-ce qu'il y a eu un documentaire de notre point de vue sur l'islam et le monde arabo-musulman? Non. Non. Mais c'est-à-dire, quel serait l'angle? Montrer qu'il y a une, bah, je ne sais pas, par exemple, agressivité constante En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec une certaine partie de la population d'origine africaine, il y a un problème. Il y a un problème. On est souvent dénoncé comme étant des esclavagistes, des colonialistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pas seulement que par les Africains, mais aussi comme Ouria Boutelja, par exemple, qui n'a que ça en tête. Le blanc, c'est le salaud qui a détruit notre pays. Ok, mais là, ça fait 50 ans que tu aurais pu le construire, ton pays, donc vas-y, go, on y va. Autant dit, à la limite. Non, mais ça me fait penser à des architectes. Ils inaugurent en Algérie un nouveau pont. Magnifique, en pleine inauguration, tu as le pont qui s'effondre. Ok, on y est pour rien. Regardez aussi un peu ce que... Non, mais sérieusement, regardez aussi de... Que vous faites, vous, quoi, démerdez-vous un peu. On dirait un sketch, quoi. Mais ils sont sans arrêt en train de se plaindre du malheur qu'on leur aurait causé à eux. Je sais pas, les Vietnamiens, les Cambodgiens ne se plaignent pas de cette manière. Ah oui, c'est donc sûr. Il faut chacun... Non, mais nous aussi, de notre point de vue, il faut aussi qu'on regarde nos défauts et ce que l'on peut faire sans toujours se plaindre des autres. Mais certains, voilà, écoute, il n'y a pas... C'est ce que je te disais, toujours pas de documentaire sur l'islam, de notre point de vue de patriote. Ouais. On balance, on relaie des vidéos, on partage des vidéos. Une synthèse, il manque une synthèse, on va dire. Mais c'est important, les synthèses. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Ouais, c'est... Normalement, ça serait à des gens qui ont des convictions identitaires de le faire. Moi, pendant 15 ans, j'ai pas été sur ce créneau-là. J'étais sur un autre créneau, mais là, je m'attelle à faire ce genre de choses, parce que ça me semble important. J'ai l'impression que les gens sont prisonniers de l'actualité, alors ils vont parler du tout le plus récent, mais ils vont pas... Si tu veux faire des vues, il faut être dans l'actualité. Ouais. C'est ce que disait d'ailleurs, tu parlais de Sautarel, c'est ce que disait Sautarel au journal d'Elisabeth Lévy, il y a 2 ans, je crois, il disait, j'ai remarqué depuis 20 ans que quand je parle d'un fait divers, tout de suite, il y a beaucoup plus de vues que quand je parle de littérature. Voilà, donc il a continué sur les faits... Aujourd'hui, il est uniquement sur les faits divers. Donc, quand t'es... C'est bien peut-être pour faire prendre conscience aux gens qui ne sont pas de nos idées de la réalité quotidienne de beaucoup de Français, mais quand tu es patriote et que tu lis tous ces faits divers, parce que tous les jours, tu as des agressions, jours, tu as des coups de couteau, tous les jours, tu as peut-être pas des meurtres en France, mais au moins des agressions, des coups de couteau, des voitures qui brûlent, des écoles qui brûlent, c'est tous les jours, toutes les semaines, ça n'arrête pas. Les voitures qui brûlent, les flics ne prennent même plus les plaintes, quasiment. Et on est dans ce quotidien, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai la chance, j'étais obligé de quitter la région parisienne. Il se trouve qu'aujourd'hui, pour habiter en région parisienne, il faut de l'argent. Moi, mes parents ont eu la chance, qui étaient des petites gens, comme toi, ont eu la chance de pouvoir habiter à Paris, intramuros, sans être riche. Aujourd'hui, je suis à la campagne. Je ne me plains pas. On est mieux à la campagne. Moi, je ne peux plus vivre dans un environnement hostile comme celui-ci. Mais il y a beaucoup de Français qui souffrent de l'immigration. Ces gens qui sont obligés d'habiter en HM. Il y a même un ami à toi que j'ai vu dans le 93 à Saint-Denis. Qu'est-ce qu'il a en face de lui? Une immense fresque sur le flanc de son immeuble. Ouais. Enfin, pas du sien, mais de celui qui est en face. Un enfant noir de 30 mètres de haut. Il se lève le matin, un petit café, voilà ce qu'il voit. Voilà, c'est ça. Un équitable. Mais voilà, c'est son environnement. Et dans son immeuble, t'as pas de blanc, quoi. C'est que des étrangers, des arabes, des noirs. Et c'est son environnement. Bon. Ça doit être dur, quand même, de plonger, finalement, dans le pire. C'est-à-dire que là, par exemple, pour faire ton documentaire, tu vois des images... T'arrives quand même à faire la part des choses et avoir quand même des bonheurs avec ta famille, à faire, tu vois... C'est-à-dire que tous les jours, tu, par exemple, pour construire ton documentaire, tu vas regarder des agressions de blancs. Enfin, moi, ça me met une colère pas possible. Bah écoute, on s'habitue à tout. On s'habitue à avoir 10, 15, 20 millions d'étrangers sur notre sol. On peut s'habituer à en avoir 2 fois plus. On peut s'habituer à vivre entouré de murs. J'imagine qu'en Afrique du Sud, aujourd'hui, les quelques blancs qui doivent rester doivent être derrière des grillages, avec des sociétés de surveillance pour assurer leur sécurité. On peut s'habituer à vivre comme ça. On peut même s'habituer à être esclave. Après, beaucoup de Noirs africains se sont habitués à l'esclavagisme pendant très longtemps. Eux-mêmes se réduisaient en esclavage avant pour certains chefs, de comprendre qu'il valait mieux les vendre à des blancs moyennant des fusils ou de la verroterie. On s'habitue à tout. Et là, je me suis habitué dans le documentaire à voir des images difficiles. Mais je mettrais quand même au début du documentaire qu'il y a quand même 1 minute 30 qui est vraiment très difficile à regarder parce que je regarde la situation en Occident. Et attends, je ne généralise pas sur l'ensemble d'une communauté, on soit bien d'accord. Et ça, je le dirais même plusieurs fois, que il y a plein
de gens d'origine africaine qui ont donné des choses merveilleuses. Moi, pendant longtemps, là, j'écoute beaucoup de jazz. Voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Ah oui, non, mais c'est évident. Tous les Africains ne sont pas des meurtriers, c'est voilà, évident. Voilà, il y a beaucoup de grands chanteurs noirs, etc. Bon, effectivement, c'est sûr, ça tourne surtout autour de la musique. Mais il n'y a écoute... pas beaucoup de prix Nobel, mais enfin, bon, passons, passons. Mais oui, mais pour quelqu'un qui aime bien la musique, d'ailleurs, mon malheur avec mes acouphènes, et je sais que t'en as, moi, je ne peux plus écouter de musique, même quand j'écoute Mozart à très faible volume, ça me fout des acouphènes. Ah, ouais, je suis obligé de l'écouter assez fort. Ouais, d'accord. Hein. Voilà. Mais, donc ça, voilà, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas l'ensemble d'une communauté. Parce qu'il se trouve que la limite, elle est là, entre ta liberté et le tribunal. Non, mais c'est gavant. Mais les gens ne comprennent pas le principe des statistiques. Bon, moi, je parle souvent du QI. Quoi, tu dis que tous les Noirs sont bêtes? Non. Voilà, c'est exactement ce qu'on m'a reproché. Voilà. Bon. C'est ce qu'on m'a reproché en parlant d'une autre communauté. Non, il n'y a pas que. Voilà. Je sais bien. Voilà. Mais bon, ensuite, si tu ne fais pas de généralité, il n'y a pas de politique. Il y a la locomotive et il y a les wagons. Ouais. Donc, mais dégauchiser un gauchiste, oui, moi j'ai opéré, puisque je reviens, je fais un peu machine arrière. Moi, j'ai opéré cette révolution tout seul. J'entendais sans arrêt parler de Jean-Marie Le Pen comme étant le dernier des salauds. Je vais lire Jean-Marie Le Pen dans le texte. Je vais acheter son journal National Hebdo. C'était assez proche du Front National à l'époque. Et puis, j'ai compris tout de suite, très rapidement. J'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne font pas cette démarche, qui n'ont pas cette curiosité, qui restent dans l'hystérie. Tiens, regarde, il y a une vidéo qui a tourné hier et avant-hier aux États-Unis. T'as trois pauvres mecs qui te balancent une pancarte. C'est un homme, une femme. Il n'y a que deux sexes sur Terre, un homme, une femme. Et il y a un jeune, il est tout seul, c'est un blanc. Hein. Ça le rend malade, il est hystérique. Et il hurle comme un possédé, il essaye d'arracher la pancarte, il devient fou. Ouais, ouais, c'est... Uniquement parce que tu dis, il y a que deux sexes. Tu vois, le niveau d'hystérie, tu vois que le blanc... C'est la folie totale. Mais non, mais c'est la folie totale. Comment tu veux sortir de l'ornière un mec comme ça? Voilà, tu peux pas raisonner un mec comme ça. Il faut qu'il fasse le chemin seul s'il y arrive. Ouais, ouais. Mais le fait est, c'est que... Tu vois, quand t'as 15, 20, 25 ans, t'as l'esprit beaucoup plus malléable que quand t'as lu, tu t'es documenté, tu comprends un peu mieux les choses. Ouais. Le droit de vote à 18 ans, c'est une connerie monumentale. Honnêtement, il faudrait mettre le droit de vote à 35 ans. Ouais, ça ferait une marge. Ou même pas droit de vote du tout. En ouais, fait, après, quand les gens sont trop vieux, ils déconnent aussi. Alors voilà. Allez, t'as le droit de voter entre 35 et 60 ans. Tous les chemins mènent à la même conclusion, mais on va pas en parler aujourd'hui. Quoi. Mais, alors, question, quand tu étais détenu, il y avait un compte Gab à ton nom, je crois que c'est le tien, qui publiait des messages. Alors, c'est toi qui dictais des messages à des amis que tu voulais publier sur... Non, mon épouse. Ah, d'accord. Et dans certains de ces messages, on sentait un attachement, enfin, comment dire, on avait l'impression que tu étais en train de te convertir au christianisme. Alors, ou alors que tu vois, en tout cas, tu faisais appel un peu à la foi. Alors, j'avais vraiment une question personnelle. Est-ce que tu t'es rapproché de la foi? Mais je cite Alexandre Dumas. Alors, le premier bouquin que j'ai lu, j'arrive tout de suite à ta question. Non, je t'en prie. C'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je me souviens, c'est t'as le commandant du bâtiment, là, donc j'arrive au bâtiment Détroit. C'est le soir, hein, le commandant du bâtiment qui demande à un surveillant, accompagnez-le à la bibliothèque. Il voyait que j'étais un peu instruit. Et je prends, bon, par contre, j'avais une minute, hein, fallait que je trouve un bouquin tout de suite, Comte de Monte Cristo, je le prends tout de suite. Et donc, il raconte le calvaire, son propre calvaire. Pourquoi je te parle de ça? C'était quoi ta question? C'était sur le rapport à la foi, parce que dans Alexandre Dumas, il le dit, c'est une très jolie phrase d'ailleurs. Ah oui, exact, magnifique. Voilà, quand t'es heureux, tout ça, bah, la prière, ça te parle pas. Et quand t'es vraiment dans le malheur, moi je me suis raccroché à la seule chose que je connaissais, c'est-à-dire notre Père. Je vous salue Marie, c'est tout quoi. Et instinctivement quoi, j'ai même pas. Ouais, ouais, tu parles de la. J'ai pas cherché à comprendre. Et je m'étais moqué un peu de Julien Rochdy en sortant de prison, parce que je crois qu'il se réclame du paganisme, non hein, plutôt, hein, de pas Nietzsche, très clair, enfin bref. Ouais. Et je disais, mais à quoi. C'est une boutade, hein, à quoi. Vers qui peut bien se tourner un païen lorsqu'il souffre? Je veux dire, lorsqu'il souffre vraiment. Mmh. Ah oui, j'oublie, un païen, ça souffre pas. C'est toujours la surpuissance nietzschienne, on souffre pas, on est fort. Mais en fait, il y a des situations où tu souffres vraiment, et moi j'avais pas connu cette situation. Oui, où tu souffres vraiment, t'es persécuté dans ta chair. Quoi. Moi je me suis raccroché à ce que je connaissais. Alors est-ce que ça fait de moi un chrétien? Oui, ça m'a rapproché du christianisme, mais j'en étais pas éloigné. Simplement, j'ai pas l'esprit religieux. J'ai quelques réflexes où je prie, tiens, je crois que j'ai encore prié un peu ce matin, mais je suis quand même très loin
d'un croyant de Saint-Nicolas du Chardonnay qui va à l'église, qui fait 20 km ou 50 km pour aller à l'église le dimanche matin. J'en suis très très loin, quoi. Bah, le fait est, c'est que, regarde, autour de chez moi, tous les prêtres sont noirs. Je t'ai posé la question vraiment par intérêt personnel même. C'est une question que j'aurais pu te poser en off, parce que moi aussi, dans des grands moments de souffrance, tu vois, quand la petite Lola était morte, instinctivement, je me suis dit, mais Dieu aide-nous. Enfin, il faut que ça s'arrête. Apparemment, les gens sont trop cons. Une intervention divine, quoi. Et on a aussi par exemple, quand on a un proche qu'on aime qui meurt, on se dit, putain, mais c'est que ça, la vie, et la personne n'est plus là. Et forcément, ça nous rapproche, par exemple, de la religion chrétienne en elle-même, mais on veut que la vie, ça soit autre chose. Et voilà, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que ça a été un moment de souffrance pour toi, voilà. Ton père est mort quand tu étais en prison, et ils t'ont empêché d'aller le voir et tout, donc... les gens se demandaient, voilà, t'es connu pour être un mec assez critique des religions, et pas forcément croyant, donc voilà, je voulais savoir si... Écoute, c'est vrai que je peux, comme je te le disais, je vois les prêtres autour dans les villages voisins, c'est que des noirs, donc moi ça me détache un petit peu tout ça, puis quand je vois les déclarations des papes successifs depuis 30 ans, c'est pas du tout mon truc, quoi. Et même en prison, il y a un catholique, il est venu une fois, puis je sais pas, tu as parlé... Ah oui, il est plus jamais revenu. Même en tôle, quoi. Mais je me souviens de témoins de Jéhovah qui étaient venus me voir à Levallois, qui étaient venus sonner à ma porte, ils sont jamais revenus, les mecs, hein. Ouais. Mais écoute, par contre, je respecte infiniment la foi catholique. Je suis moi-même, j'estime être catholique, on va dire, même si c'est un peu radé pâquerette, quoi, il faut le dire. Par contre, si t'es un étranger et que t'attaques la foi catholique, là, je suis méchant. Là, je peux te réduire en bouillie tout de suite. Là. Ouais. Donc là, pour moi, c'est assez intolérable. Donc voilà, donc je sais pas. Je crois que Maura, c'était un peu comme ça aussi. Ouais. Mais je suis pas rebaptisé par lui. Rebaptisé, c'était un vrai païen, tu vois, dans son ouvrage, son gros ouvrage, là, Les Deux Étendards. Il prend clairement position pour. Ouais, c'est pas, pour y le a païen, pas un voilà, rejet, en fait. Il a pas demandé, il a pas demandé à voir un prêtre à l'aune de sa mort. En fait, c'est difficile d'avoir une réponse, parce que c'est difficile de répondre à cette question. Moi-même, j'ai pas de réponse. Bah, moi non plus, j'ai pas de réponse. C'est insupportable pour moi, l'Église actuelle, c'est un des plus gros agents de l'invasion de l'Europe, hein, clairement. C'est clair. Avec le pape. Et pour autant, j'ai pas envie de cracher sur cette culture qui était celle de ma grand-mère. Moi, je pense à mes parents. C'est la culture, enfin, surtout de ma mère. Ouais. Voilà, c'était la religion de ma mère, donc respect. Point. Ouais, voilà, c'est tout. Et j'ai un crucifix. Hein. Quand ma mère est décédée, j'ai mis un crucifix sur sa tombe. Un beau crucifix doré. Voilà, donc respect. Dernière question, est-ce que tu es heureux, Hervé? Ah ouais, moi je suis heureux, ouais. Ouais. Au quotidien, je sais pas. Parce que je suis quand même un peu. Je peux être un peu nerveux, je peux être un peu grognon, ouais, c'est sûr. Mais non, je suis heureux, ouais. Enfin, il y a pire, hein, franchement. Mais tout de même, le bonheur. D'ailleurs, je crois que je le dis dans le bouquin aussi, ça. Il n'y a pas vraiment de vrai bonheur ou de vrai malheur. Tu as des habitudes que tu prends qui font que la vie est supportable, agréable. Ensuite, je vois bien qu'il y a des gens qui ont toujours le sourire aux lèvres, qui sont plus heureux que moi, mais chacun a les choses à se mettre. Pour moi, c'est. Je préfère la notion d'efficacité à celle de bonheur. On est dans une période aujourd'hui où on ne peut pas se permettre d'être toujours heureux. Il faut produire, il faut convaincre. Je ne sais plus quel président a dit cela, que nos grands-pères étaient des guerriers pour que nos pères puissent être des fermiers et nous qu'on puisse être des poètes ou des littérateurs. Ouais. Il y a cela aussi. On est dans une époque, c'est pas encore une époque de fer. Mais peut-être que cette époque de fer commence. Là, il ne s'agit pas de bonheur ou de malheur, il s'agit juste de vaincre. C'est vrai. Donc, il ne faut pas non plus être obsédé par l'idée du combat. Il faut aussi se reposer à côté, quoi, s'occuper d'autre chose, avoir des passions qui soient différentes de celles du combat. Il faut un équilibre. Chacun à soi-même de trouver un équilibre. Et finalement, tout est question de dosage, que ce soit en toi-même ou dans la politique. Par rapport à l'actualité, par rapport à ce que tu ressens, tout est une question de dosage. Je pense avoir presque trouvé un équilibre. Mais le déséquilibre n'est pas mauvais non plus. Quand tu es trop équilibré, tu ne crées rien. C'est vrai. C'est nous qui décidons en fait ce qui nous rend heureux ou pas finalement. On peut estimer même que mener un combat et ce qui nous rend heureux dans l'existence, en fait, c'est à nous de le voir. Hein. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est pas seulement une question de bonheur, c'est juste. C'est indispensable de se battre, de convertir les autres. Il y a beaucoup de gens pour qui ça fait partie de leur vie. S'ils n'avaient pas les moyens de parler à d'autres, de s'exprimer, ils seraient malheureux. Ça, c'est...
chacun fait les choses à sa manière. Mmh. Moi, dans le bouquin, j'en parle modestement, mais je donne quelques conseils, quoi, pour... Oui, il y a une sagesse, en tout cas, dans le livre, à laquelle je ne m'attendais pas et qui est agréable. Oui, non, je ne parle pas que de la prison, heureusement, parce que ça serait terne. Hein. Non, justement, j'ai essayé de faire en sorte, je te dis, tu écris un bouquin, il faut que le lecteur arrive jusqu'au bout et qu'il en redemande. C'est ça, le truc. Et quand tu fais un documentaire, c'est pareil, il ne faut pas lasser les gens, il ne faut pas tout dire. Mmh. Et là, ça me ramène à Balthazar Graciane. Le peu est mieux que le trop. Oui. Le trop peu, c'est mieux que le trop. C'est le goût de reviens-y qui est important. Il faut lire Balthazar Graciane. Voilà. Hervé, où est-ce qu'on trouve ton livre ? Tu sais, il n'y a que 3 librairies à Paris, la librairie française, librairie Vincent, librairie Duquesne, sur Internet ensuite, voilà quoi. Mais Tu nourris toujours ton site personnel ou pour l'instant tu... Telegram. D'accord, on mettra l'adresse évidemment en description. Ouais, okay. Très bien. Bah écoute Hervé, je te remercie pour cet entretien. On aura l'occasion d'en refaire sur d'autres sujets. En tout cas. Il y a plein de trucs que j'aurais voulu dire, mais c'est comme ça. Est-ce que tu veux conclure ? Est-ce que tu as quelque chose ? Non, on a conclu là. Bah voilà, c'est ça le goût de reviens-y. À bientôt Daniel, à bientôt. À bientôt Hervé. Salut à toi. Merci d'être venu et à bientôt les amis. Salut.